Destin croisé entre Niort et Auxerre. Les Niortais qui sont en Ligue 2 depuis deux saisons jouent la montée. Ils sont 5e à 3 points du podium. Auxerre est également en Ligue 2 depuis deux saisons et joue son maintien. 17e à égalité de points avec le 18e et premier relégable. C'est très chaud pour la GIA. Niort doit évoluer sans Laeg, Lombard et son passeur Martin blessé. La GIA Auxerre est privée de Léon suspendu et de Sorin blessé. C'est donc Geoffrey Lambert, l'international centrafricain, qui sera dans les buts de l'équipe ajaïste. La première opportunité est pour Auxerre avec ce ballon au deuxième poteau repris à côté. On reste dans les premiers instants de la rencontre avec cette balle d'attaque pour Niort et l'ouverture du score. C'est signé Jimmy Roy dès la 4e minute. 6e but de la saison pour lui et ça fait déjà 1-0 pour les Chamois. Geoffrey Lambert, qui a joué très peu cette saison, se retrouve battu. Auxerre déjà en difficulté. Les Auxerrois n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, c'était à Créteil. Et ils s'en sortent très bien ici. Ils ont failli encaisser le deuxième but. Mais en étant menés que 1-0, ils ont toujours leur chance avec une très bonne action. Le centre en retrait et la frappe à côté du cadre. Niort continue à avoir les meilleures initiatives. Avec ce ballon dans la surface et un tir inexplicablement à côté pour Grégoula. 3 victoires et 3 défaites pour les Niortais sur les 6 derniers matchs. Pas de match nul. Les Chamois jouent le coup à fond pour espérer gagner le plus de matchs possible et accéder à la Ligue 1 de manière assez extraordinaire. Pour l'instant, ils sont dans le coup en menant 1-0 à la mi-temps. Auxerre de son côté inquiète sur 3 défaites consécutives. Aucun but marqué dans cette série. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 11 derniers matchs. Niort continue à avoir beaucoup de bonnes occasions. Avec notamment cette montée de la défense de Palois, le centre au deuxième poteau et la trajectoire coupée pour empêcher ce centre d'arriver à destination. Encore un ballon qui traîne avec Emiliano Sala qui se bat dans la surface de réparation. Ça passe au-dessus. Très peu d'opportunités pour les Bourguignons. En voici peut-être une avec ce ballon dans la surface et cette frappe complètement ratée. Senior qui a les meilleures initiatives. Encore de l'énergie pour Mouamadou Diao, le vétéran sénégalais qui centre. Et c'est sauvé par Geoffrey Lambert. Auxerre continue à subir la plupart des occasions de ce match. Le score en reste 1-0. Et Signor ne parvient pas à marquer de deuxième but malgré cette dernière opportunité. Les Auxerrois ne réussissent pas non plus à égaliser. Score final 1-0 pour Niort qui peut continuer de rêver à la montée en Ligue 1 alors qu'Auxerre se retrouve dans une situation critique. Pour la première fois, Auxerre se retrouve en position de relégable.